Allez, on entame la cinquième semaine. Et puis, bah, comme tous les samedis, vite grenier. On trouve bien à manger ici. Bon, ça a l'air de bien rempli aujourd'hui là. En même temps, il fait beau. Ça ne m'étonne pas. Il y avait encore une chaîne de télé, mais bon, pour interviewer cette fois-ci. Je crois que ma hype redescend là. Je sais pas comment je vais manger, mais je dois manger ça avec ça. Alors on va s'amuser, je pense. On est pas là, ça se fait. Mais si, rien, on est facile en fait. Hyper tendre. Baguette ou quoi, je vais démonter le couvert. Bon, du coup, samedi après-midi. Ce week-end, de toute façon, on va pas faire grand-chose. Je vais acheter Palworld, donc j'ai envie de jouer. Programme de cet après-midi et de demain, ça va être rien foutre. Voilà. Et dès que je rentre, je geek. Oui. Il va vraiment être bon ce gâteau. Hein. Elle va jamais se barrer cette neige là. Bon, chose promis, chose due. Oh ta gueule le corbeau là. Chose promis, chose due. Hier j'ai absolument rien foutu. J'ai joué à l'ordi comme une bonne merde. Là on va au grenier comme d'hab. Puis après on rentre. Et puis voilà. Bon allez, Valou. J'arrive, c'est fermé. Je suis comme un dingue là. Bon, on va rentrer chez moi. Comment ne pas se perdre dans le métro? On suit le pont rouge. Au final, je vous ai pas dit où on allait. Bah du coup, on est là. Oh, petit chat. Ça va être bien, je peux pas prendre une photo avec des mecs que je veux. On est connu. Bon, ok, c'est pas si mal. Je viens de trouver une figurine que je voulais à la moitié de son prix. En fait, c'est pas si mal. Ok. Donc là, tous ces gens font la queue pour prendre une photo avec Superstar. Eux, c'est un autre jeu. Amoureux. Peut-être.
Ouais, là, c'est le cosplay qui m'intéresse. Ça, c'est que des fans de cosplay, ça. Cher LOL. Ah, tu les filmes sur les culottes? Tu as zoom? C'est un grand malade! Oh, mais oh, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Oh non, c'est pas possible! Oh, c'est chaud quand même! Ce soir, il va ouvrir son téléphone et. Ce soir? Quelques petits magasins. Bon, ouais, du coup, c'était bien. En vrai, c'était impressionnant de voir tous les cosplayers, machin et tout. Ah oui, le cosplay, hein. Ah oui, oui, oui. Après Châtelet, Châtelet. Je viens de me réveiller, j'ai passé une nuit de merde. J'ai mon épaule là, c'est la douleur, elle est revenue là. C'est donc bien chiant. Donc aujourd'hui, je vais rien faire, parce que j'ai mal de ouf. Donc ce sera une journée assez courte. Voilà, voilà. Bon, et puis ça y est, ça fait officiellement un mois que je suis là. Bah, c'est cool en vrai. C'est passé hyper vite, je trouve. On est plutôt pas mal. Hein. Bon, mis à part que là, je douille un peu de l'épaule, mais par ça, on se fait plaisir. Fait beau, Lyon a gagné. Petit bilan du mois j'ai passé ici, bah franchement que du kiff. Premier jour un peu dur, de rien, c'est dur de partir tout seul entre guillemets. Enfin c'est entre guillemets, c'est dur de partir tout seul. Mais ça y est, je m'y suis fait, j'ai une petite routine. Non franchement, on est plutôt pas mal pour le moment. Ça, c'est la régalade de la viande de qualité. Le chef Max, trouver de la harissa japonaise. Bon, aujourd'hui, je vais au Harry Potter Studio Making of Tour, je crois que ça s'appelle comme ça. Qu'il a ouvert là, je crois l'année dernière ou cette année, enfin, ouais, l'année dernière, je crois bien qu'il est ouvert. Donc, il est tout neuf, il est tout beau. Et puis, bah, on y va maintenant, c'est parti. Hein. Sa mère, je suis heureux. Encore plus qu'avec les bateaux, je suis encore plus heureux. Oh, yeah, yeah. Allez, maintenant qu'on a bien mangé, et ben, on va visiter.
tous sorciers. Le mot de passe. Mon but, ça va être le plus cringe possible. Je préviens d'avance. Swaffle est libéré. Et le match commence. Angelina Jackson. Plein kiff depuis tout à l'heure, c'est abusé. Un enfant le mec. Waouh, ça par contre, ça c'est fou. Sors de deux à la maison. Je vois que tu as découvert, comme beaucoup de gens avant toi, le bonheur de contempler le miroir du Rized. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. Ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Oui, ça c'est mon Charles et mon Avrel sur le rond-point, ça. Oui, je suis en train de faire la queue. En tout cas, je vous montre maintenant tout de suite un extrait si c'est bon ou pas. C'est hyper chelou. J'en suis sûr. Premier degré, ça a l'air dégueulasse. C'est hyper chelou. Juste un soda. Mais un soda pas beau. Comme ça. Franchement, c'est hyper chelou. Thank you.
Yado. Petite journée aujourd'hui, pas grand chose de prévu, faut absolument que je fasse le ménage dans ma chambre là, c'est un peu le bordel là, et puis voilà, pas grand chose de prévu, j'ai toujours bien mal à l'épaule, donc on y va tranquillou, et puis là on va faire d'autres quelques petites courses histoire de, et voilà. Bon, du coup, hier, j'ai fait 2-3 trucs, mais pas assez intéressant pour filmer ou quoi que ce soit. Ou... Alors aujourd'hui, on va faire un tour d'un petit temple. Je voulais me lever super tôt ce matin, mais quand mon réveil a sonné, j'ai dit ouais. Allez, on ira plus tard. Bon, là, c'est 9h. Je pense qu'il y aura un petit peu de monde. C'est le genre d'endroit où il faut venir soit le matin, soit le soir. Allez, je me barre, il y a trop de monde, ça m'a saoulé. Je veux s'abuser, il y a tout le monde. Je peux rien faire. Par rapport à l'année dernière, il y a peut-être deux fois le monde que l'année dernière. Je vais vous montrer, vous allez dire, Max t'abuses. Et je vous jure que non, regardez. Tu vois, je ne prends aucun plaisir à être là. Mais genre zéro plaisir. Je teste ça. Dans certains restaurants, il fait minuit le temps que t'es là. Et passer genre une heure, bah, tu payes en plus.
mon copain. Choisis-moi. Je suis délu des singes. Quand je vous dis que je suis une putain de grosse taille, si même les singes m'admirent. Eh ouais. Eh ouais mon gars. Des conseils, c'est le pire zoo du monde. J'y suis allé en mars dernier, c'était horrible. Je détestais. Bon, j'avoue, j'ai eu une grosse flemme de me lever ce matin à 5h pour aller revoir le temple. J'irai la semaine prochaine, ça fait rien. Puis si tout se passe bien, semaine prochaine, je bouge enfin de Tokyo. Ce week-end là, je bouge de Tokyo. Je ne sais plus comment ça s'appelle, où je vais, mais j'y vais. Et aujourd'hui, bah, j'en ai un peu tranquillou, on va aller se balader un peu là. On rentrera ce soir tranquillement, voilà. Pourquoi à chaque fois que je prends pas ma veste, c'est les jours où il y a du vent, il pleut et où il neige. C'est ouf, en panique. Ça vous intéresse, maintenant je me suis rasé la barbe et je me suis bien foiré. Sans faire exprès, j'ai mis un grand coup comme ça, je fais oh sa mère. Voilà, j'ai rattrapé comme j'ai pu, c'est un peu dégueulasse. Voilà, j'avais un haut pas à raconter aujourd'hui. Oh, je suis plein. Oh, le bol il m'a rempli. Mais le problème, il les ramène. J'ai pas les manger. C'est un peu embêtant. C'est 21h, j'ai toujours pas fini mon montage. Du coup, il n'y aura pas de resto ce soir. On va manger ça. Et peut-être un peu de ça. Ça y est, je viens de finir le montage. Donc, à la semaine prochaine. Moto la naïto ita, metashita no.